Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite d'Oxygen Not Included. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant que notre électrolyseur est fini? Je vais un peu déblayer ce qu'il y a ici. Parce que ça me prend un tout petit peu la tête. On va creuser ce qu'il y a là. Voilà. Et on va détruire. Hop, on va mettre sa building. Donc 1 sur 2. Pour le moment en tout cas. Et on va mettre donc les airflow. Comme ça le CO2 descend. Parce que là on a une zone mais pas vivable du tout quoi. Regardons un peu ici. On a de l'hydrogène. Genre 1200-1300 grammes. Donc ça va encore. C'est pas un truc de fou. Ici le truc d'algues, ah oui, il y a une pression maximale en fait, donc il n'arrive pas à produire l'oxygène comme il faudrait. Ok. Bah maintenant que ça c'est fait, on va creuser ce qu'il y a là. Ils vont être bloqués au retour. Ils vont être bloqués. Priorité 9. Priorité 9, on va faire ça ici. Allez les gars, il faut les aider. Ok, parce qu'il faut pas rester là très longtemps. On va creuser. Une case sur deux. Ah oui, ils peuvent aller par là. Donc vas-y, creuse ici, quoi. Ok, creuse ici. Creuse là. Ok. Et on va commencer à détruire l'échelle maintenant. Bien joué. Ok, on regarde un petit peu. Ici, je sais pas pourquoi il y a un problème d'électricité, j'ai l'impression. On peut annuler ici les trois. Il n'y a plus de problème. Ça ne génère pas assez d'énergie. Ok. Alors, on va mettre donc ici. On va utiliser notre générateur d'énergie à partir d'hydrogène maintenant. On va en mettre un ici. On va lui mettre des batteries à côté de lui, même si les batteries, je sais pas, c'est pas. Tum, tum, on va mettre des fils. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Ah, et puis là, j'aurais dû les décaler. Est-ce que je les décale ou je garde qu'une seule batterie? Pour la porte et tout ça. Je vais annuler. Attends. Annuler. Ok, je vais mettre qu'une seule batterie. Dès qu'ils auront le temps, ils vont faire ça. Les recherches. Il faut en finir avec ces recherches. Les trucs pour contrôler. Un truc pour faire donc des placebos. Là, c'est pour raffiner les minerais. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique. En tout cas, pour moi. Ok, le stress est à zéro. C'est génial, regardons. Oh punaise, le CO2 ici, il faudrait faire quelque chose. Parce qu'il y a de temps en temps des petites bulles d'air comme ça qui sortent et qui partent. On va détruire les constructions. Ah non. Ah oui, c'est vrai, ce duplicant. Attends, j'ai d'autres duplicants? Comment ça se fait? Je les ai pas rejetés, hein. Je les ai pas rejetés. Quelqu'un qui aime bien. Ah là là, il a tellement de malus. Farming plus 1. Non, franchement, ça craint. Ça craint, c'est pas grave. On va attendre le suivant. C'est dans combien de cycles? C'est dans 3 cycles, finalement. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va faire donc les gaz pipes. On va utiliser les gaz pipes.
ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. On va isoler ici parce que ça va pas le faire si on n'isole pas. Si je fais une pièce aussi grande, qu'est-ce que ça changerait? C'est juste que j'ai un problème, j'aime pas les pièces qui sont pas inégales, donc on va faire ça quand même. Juste parce que j'ai un problème dans ma tête. Ok. Et on va mettre une pièce, une porte. On va essayer de mettre un petit truc pour le décor, comme ça quand ils passent devant ils sont pas choqués tellement c'est moche. Ici on peut mettre des sculptures pour améliorer le décor. Hop, hop, pour améliorer le décor rapidement. Ici je peux pas. Là je peux. Ok. L'algue, où est-ce qu'on en est? On a 2 tonnes d'algues. Mon oxygène, qu'est-ce qu'il en est? Ça va, ça respire, ça respire. Ici, c'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que je peux faire pour le... Attends, je peux mettre des échelles. Le truc c'est... Attends, je peux le mettre en plein milieu ici. Non, le CO2 il est vraiment tout en bas. Donc il est plus lourd. Donc le meilleur endroit pour mettre les machines c'est vraiment au ras du sol. Là on voit que de l'hydrogène s'accumule mais comme pas possible. Donc ça c'est génial. Une fois qu'ils vont finir ça, on va pouvoir... On va pouvoir donc... Ah, la pression maximale est atteinte. Ouais, c'est normal. C'est normal. C'est ça le problème. Ah, l'art. L'art, c'est génial. Donc là, j'espère que je vais pas avoir un souci. Cette porte, est-ce qu'on la ferme? On va la fermer. Allez, mes petits duplicants. Me dis pas qu'ils peuvent pas atteindre ici. Ah si, ils peuvent pas. Ok, il va falloir mettre des échelles ici. Voilà. Comme ça, ils peuvent atteindre le dessus et finir ça. Même ici, il y a une pression maximale. Mais vous êtes sérieux? Le gaz, ouais, il a 1700. 1700 grammes, c'est énorme comme pression. C'est énorme. Regardons un peu où sont les maladies. Ouh, il y a pas mal de germes ici. Bon, on est à la limite là. Ouais, pour atteindre notre geyser, il va falloir qu'on touche à cette maladie là, qui est le slime. Avec. Regardons le décor. Ils ont mis des blocs. Ah, ça devient un peu plus vert. C'est pas mal. Ok. Génération d'oxygène insuffisante. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te crois le jeu, je te crois. Ok, il a fini une recherche. Je les mets au hasard les recherches. Je vois pas des choses qu'il pourrait mettre. Ah, ok. Ouais, le distillateur, vas-y, pourquoi pas. Je compte pas mettre ça en place. Je pense que c'était le gaz, le truc avec, avec du gaz et du fertilisant. Donc ça, ça... ça recycle l'eau. Ici, je vois pas très bien où est-ce que ça se trouve. Non. Ou alors j'ai déjà fait la recherche et... Non mais c'est pas grave. Allez, on va faire les petites recherches comme ça au hasard. On est à 34 000, on va lui dire d'arrêter de cuisiner. Ouais. Ah mais c'est normal. Ouh punaise, là je vais avoir un souci. Non, je ne vais pas avoir de soucis. Pourquoi? Parce que j'utilise juste un switch. On. Quelqu'un peut venir allumer ça? C'est juste un switch. On va regarder ça. Oh yeah. Et là, ça pompe de l'hydrogène. Ça arrive dans la machine. Et la machine fonctionne. Si c'est pas beau tout ça. Si c'est pas beau. Alors, elle, elle a pas de déchets. Donc, pendant ce temps-là, je sais pas si on peut... compter sur elle. Je ne sais pas si on peut compter sur elle.
Elle génère normalement 800, c'était ça? Ouais, génère 800 watts. Alors que celui au charbon, c'est 600. Mais je pense que si on regarde un peu notre énergie, regardons un petit peu ça. On ne gâche pas de l'énergie. Ouais, il est un petit peu chaud. Donc là, on est en positif, en tout cas au niveau net. Si je lis ça très très vite. Ok, là il y en a 4 qui glandent. Ok. Non, tant que ça fonctionne, c'est ça qui est important. Regardons, l'hydrogène est en grosse, grosse quantité. On va essayer d'éteindre ce truc-là. Non, pas le déconstruire. Juste le mettre hors service. Pendant ce temps-là, on va mettre un air scrubber. Un air scrubber pour un petit peu se débarrasser du dioxyde de carbone. On va le mettre ici. Il va nous falloir une pompe. Vas-y. Ok. Une qui entre et une qui sort. Là, je suis obligé de la mettre comme ça. Sinon, je vais avoir un gros, gros problème. Voilà. Enfin, ils vont devoir entrer là et c'est pas top. Donc, pour éviter de faire ça, on va mettre des échelles. Une comme ça. Ils pourront le faire de. Non, on va mettre ça ici quand même. Non, celle-là, il n'y en a pas besoin. Allez, mes petits duplicants, il va falloir qu'on utilise ça. Pour diminuer un peu notre CO2. Oh, punaise, j'ai oublié de mettre le chrono. Ça craint, ça craint. Bon, c'est un peu trop tard maintenant. On était arrivé au cycle 37. Ah oui, le courant maintenant pour le air scrubber. Voilà. Oh, punaise. Voilà. Ben non, ça va, on n'a même pas besoin. Est-ce que la tuyauterie est finie? La tuyauterie est finie. Maintenant, il manque plus que le courant et ça va se mettre en marche. On va diminuer notre concentration de CO2. Parce que c'est chaud, quoi. Pour les toilettes, elles sont mal positionnées, les toilettes. Si je les avais mis au premier étage ici, ou au moins un, si on veut. Si on considère que là où se trouve la machine, c'est le zéro. Donc là. On voit les fluides qui tombent ici. Ça va. Regardons un peu les germes. Normalement, il n'y en a pas ici. Hein. Mais on peut pas voir à l'intérieur des tuyaux, malheureusement. Ok. Là, le CO2 va aller par là, doucement. Et il va se faire nettoyer. Ok. On n'a toujours pas notre fermier. Dans un cycle, on devrait avoir quelqu'un. Cette pièce, bah elle fonctionne. Il faudrait que je mette des échelles ici pour aller creuser. On va faire ça. Voilà. Allez, mes petits duplicants. La concentration est maximale de gaz. Punaise. Non, là, ça respire bien. Ça respire plutôt bien, je trouve. J'espère qu'on n'a pas de l'hydrogène qui est en dehors de la base. Là, on a de. Non, je vois pas de l'hydrogène en tout cas. Je vois pas de l'hydrogène. Il doit. À chaque fois, il sera au-dessus. Il n'y a même pas à réfléchir, il sera au-dessus. Allez, on va chercher le truc des contrôles automatiques. Ok, ça diminue un tout petit peu. Mais mon niveau d'eau va mais tellement baisser. Tellement. Ok. Allez, on va remettre des peintures. Où est-ce que c'est ici? Tout au temps, on va mettre. Ah, je peux pas le mettre ici, c'est. Dommage. Voilà. Et on va creuser ici. Ok. Les deux pièces sont finies. Si jamais il y a des réparations à faire, je pense que mieux vaut ne pas enlever toutes les échelles.
pense que c'est mieux. Alors, le CO2, ça disparaît ici petit à petit. Avec le temps, évidemment, ça descend. Et en plus, il est en train de se faire détruire de ce côté-là. Le chercheur, il continue ses recherches. On a dans combien de temps? Une demi-journée. Donc, on est là, ce sera au 42. À 15, si on veut. Il y en a qui glandent. Mais je sais plus quoi faire, en fait, c'est ça. Je ne sais plus trop quoi construire. Et qu'est-ce que j'attends? On va faire un peu de nourriture. Ça va, ça va, ça va plus. Ah. Ils les ont peut-être mangés entre-temps, en fait. Non, là, franchement, je ne sais plus trop quoi faire. On va creuser ce qu'il y a ici. Tum. Ensuite, ce qu'il y a là. Ensuite, ce qu'il y a là. Non. On va annuler ça. Allez, mon petit. Enfin, mes petits duplicants. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'airflow. Mais ça va encore. On voit du CO2 quand même qui descend. On pourrait faire une ventilation ici. Comme ça. Comme ça, on en met un peu ici. Mais c'est vraiment une zone. Ça sert à rien, quoi. Non, là, l'hydrogène, il est bien stocké, hein, franchement. Oh non, l'hydrogène disparaît. Ah, tout. Oh non, non, non. C'est très mauvais. C'est très mauvais. On diminue notre concentration de CO2. En plus, cette machine n'en produit plus, donc ça, c'est génial. Mais là, l'hydrogène, je sens que l'hydrogène, c'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Donc, on va construire ce qu'il y a là. Déconstruire ce qu'il y a là. Allez, mes petits duplicants. Enfin, creuser plutôt. Voilà. Voilà. Et on va regarder qui est-ce qu'on va avoir. Ah! Là, je l'ai eu en plein catch. Enfin, en plein... En pleine chute. Ah, là, là, on dirait que le maire, il meurt tellement il est expressif, quoi. Allez, un duplicant, un fermier, s'il te plaît, un fermier. 4 en créativité, 1 en ferme. Lui, il aime bien les fermes. Ok. Ah oui, c'est pour ça qu'il a ce malus. Early bird, donc le matin, il gagne des bonus pour tout. Lui, il aime bien farmer, mais il peut pas cuisiner. Il peut pas tomber malade, mais il a 0 en farm. Il a 0 en farm, mais il peut faire tellement de choses. Donc là, on va prendre enfin notre 8e duplicant. Donc les deux ici peuvent faire des farms. Lui, il peut pas cuisiner, c'est pas grave. Tu seras notre fermier attitré. On va le printer. Bienvenue dans la map pod. Non, non, qu'est-ce que je raconte? C'est le printing pod, j'ai oublié son. Donc lui, c'est Max. Bienvenue, Max. On va te donner un job rapidement. Donc tu vas aller checker ça. On va te dire, t'es notre farmier. Il a 0. Mais quand il va interagir avec les plantes, il va augmenter petit à petit ses skills. Et surtout, quand il sera à 100%, il va avoir 2 points en plus. Donc ça, je m'en fais pas. Il apprendra ça 50% plus vite. Donc ça, ce sera génial. Donc, j'arrête l'épisode ici et je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!